c'est bon. Voilà, je tenais d'abord à dire merci beaucoup au bon Dieu d'abord. Voilà, je dis merci au bon Dieu. Et je dis merci beaucoup aux autorités de Côte d'Ivoire. Voilà, aujourd'hui, je suis rentré chez moi, grâce à Dieu. Voilà, ils m'ont déposé à INGS. L'IGS, il y a un nom, INGS, voilà. INGS. Voilà, pour le confinement. Voilà, ils vont prélever tout ce qui est à prévu, à prélever. Et ensuite, s'il n'y a pas d'anomalie, je vais rentrer à la maison. Donc, je tenais d'abord à dire merci beaucoup aux autorités de Côte d'Ivoire et à tous ceux qui m'ont soutenu. Tous ceux qui m'ont soutenu de loin, de près, moralement, physiquement, tout. Le Mali, le Burkina, le Niger, le Sénégal, le Congo, le Cameroun. Vraiment, je dis merci beaucoup aux autorités. Vraiment. Ah. Donc, je suis confiné ici. Et tous ceux qui ont quitté d'un pays à risque doivent être confinés. Donc, je me soumets. Je me soumets au dit du gouvernement. Donc, je suis dans mon confinement ici à INGS. Grâce à Dieu. En tout cas, je tiens vraiment à vous dire merci. Aujourd'hui, on va pas déconner, on va pas rigoler, mais c'est juste la vérité quoi. Et puis dire merci, vraiment c'est tout. Je suis bien arrivé, je me porte bien. Donc j'attends le verdict des médecins compétents. Là comme ça, je pourrais rentrer à la maison sans problème. Pour le moment ici à l'INGS, je suis confiné ici. Ah, c'est mieux que là-bas. Matoula est rentré. Il est rentré à Abidjan. Je vous appartiens maintenant. Pardonnez, allumez-moi doucement. Merci beaucoup à mon frère Végédrum. Et beaucoup d'humoristes m'ont soutenu. Tous mes collègues artistes, humoristes comme chanteurs, comme Zouglouman. Comme rappeur, Manage, Songo, Korohapu, Dubé Cravate, vraiment, Agalawal. Vraiment, je dis merci à toute cette personne-là. C'est pas facile d'être loin de son pays. Ils ont coupé ton nombril. Et puis le sang, coulé là. C'est vraiment pas chaud. C'est pas facile. Donc je suis là, après mon confinement, on va s'amuser. Vraiment. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse tout le monde entier, tous ceux qui sont contaminés, que Dieu leur donne la force de s'être établi. Que ceux qui ne sont pas contaminés, que Dieu les garde. Que Dieu garde tous ceux qui sont à Paris, ceux qui sont aux États-Unis, en Allemagne. Vraiment, cette maladie-là. On ne doit pas jouer avec. Comme on le dit, mesure de barrière, 1 mètre, ne jouons pas avec, c'est seulement dit. C'est grave. C'est vraiment, vraiment grave. Ne jouons pas avec. Tu es tous dans le coude pour protéger ton ami qui est en face. Tu vois, c'est pas facile. Ici, là, tout le monde porte masque. Quand tu es dans la chambre, tu ne portes pas de masque. Mais quand tu sors, il faut que tu portes le max, Congo, un peu partout. Donc, vraiment, je dis merci à tous ceux qui m'ont soutenu. Ah, tu vois l'IGS? Quoi l'IGS? Parce que c'est faux. Les amis, ils ne croient pas jusqu'à présent. Ce n'est pas que Dieu est fort. Dieu est très fort. Tu n'as pas encore Dieu dans ta vie. N'arrive pas à renverser la caméra. Ouais, c'est le mur là, non? C'est le mur là. C'est le mur de l'IGS. Vous avez vu le mur, non? Ah ah!
C'est le mieux. Merci beaucoup. Merci, merci. En tout cas, ça fait plaisir. Je suis tellement content. J'ai un ras-le-bol contre des Bordeaux. J'ai un ras-le-bol parce que moi-même là, je me suis chargé du promoteur de la musique de des Bordeaux. Oui, même les administrateurs, ceux qui sont derrière des Bordeaux en train de prendre son portable pour faire, eux-mêmes savent, eux-mêmes ils m'ont envoyé un message pour dire vieux merci. Vieux merci, le travail est en train de faire, vieux merci. Mais je suis en train de frapponner la promotion de Bordeaux, l'Inkoufa, matin, midi et soir. Les partages ici, les partages là-bas, les soins, malgré qu'il y a coronavirus. Malgré qu'il y a coronavirus, je suis en train de faire la promotion en bas de Bordeaux, l'Inkoufa. Même mes amis DJ qui sont en train d'animer sur les réseaux sociaux là, que vous voyez là. On se connaît tous, hein. On se connaît tous. Je les envoie un message comme ça, pardonnez. Bougo, mon saut de Bordeaux, que des salles. Bougossez dans vos lives. Bougossez. Mais attends, mais à un moment donné, le petit aussi n'a qu'à me faire plaisir. De Bordeaux, faut me faire plaisir aussi. Faut me faire plaisir, petit, pardon. Faut me faire plaisir. Je ne sais même pas comment je vais vous dire que buzz, clash, ça ne fait pas évoluer un artiste. On va vous dire ça en quoi? En chinois, en japonais, en vietnamien, hein? En ivoirien, je ne sais pas, en burkinabé. Dites-nous comment on doit vous donner ce petit conseil-là. La musique-là, ça ne va pas avec les clashs. La musique-là, ça ne va pas avec les buzz. Ça ne va pas. La musique-là, ça ne va pas avec je dois faire quelque chose pour que tout le monde parle de moi. Là, ma musique, ça ne va pas. Ça va toujours taper, poteau. On va vous donner un conseil là, comment, dites, comment vous voulez qu'on vous donne ce genre de conseil? Regardez DJ Arafat, père à son âme, ce petit. Arafat a eu tous les trophées au monde, tous les trophées, sans buzz, sans clash. Arafat a eu Cora, il a eu MTV, il a eu tous les trophées, Arafat a eu, sans clash, sans buzz. C'est quand le petit là, il a commencé à rentrer dans les clashs, dans les buzz sur les réseaux sociaux. Là. C'est là que sa musique a commencé à tomber. Et c'est ça qui est la vérité. C'est à partir de là, Arafat a commencé à sombrer. Parce que ça ne va pas ensemble. Big up à DJ Dubois. Et JC Dubox depuis la Suisse, Genève. Big up mon frère. Hein? Les clashs, les buzz là, ça ne va pas avec un artiste chanteur. Parce que si c'était ça, Arafat allait avoir Dixdor d'abord même avant de laisser ce monde. Il allait avoir Dixdor avant de laisser ce monde. Artiste de Côte d'Ivoire, je ne sais pas comment je dois vous dire. Surtout artiste de coupé décalé, pardonné, N.A. Yayassé, buzz, clash, m'as-tu vu, fais du bruit sur Facebook. Pour que la musique, ça ne va pas augmenter, ça ne va pas vous aider. Ça ne peut pas. Au contraire, ça vous fait tomber. Venez, je vais parler de Bordeaux. Ouais. Je vais parler de Bordeaux. Parce que c'est un petit que moi-même là. Non, tous mes abonnés le savent. Mais je ne peux pas faire un live sans jouer le morceau de Bordeaux. Je ne peux pas faire un live un jour sans prendre mon téléphone, aller appeler mes amis. Mes amis DJ là, pardonnez, jouer le morceau de Debordo, c'est son nouveau son. Il n'y a pas un jour, je le fais. Mais le petit va venir encore me décourager. Bigo par Souleymane Kamagaté. Debordo, c'est DJ Publicité de Londres. Moi, je vais te poser une question. Une simple question. Attends, j'ai bien placé mon portable là. Je vais te poser une simple question. Mon petit, est-ce que problème de Didier Drogba là, tu étais obligé de mettre ta bouche dedans? Ça, c'est la question que moi je vais te poser. En tant qu'un artiste chanteur, tu as fait ton son que de ça, c'est sorti. Malheureusement, il y a eu Corona, mais c'est pas grave. Tout ce que Dieu fait est bon. Avançons dans le showbiz. Maintenant, moi-même, je te pose une question. De Bordeaux, l'Inkoufa,
problème de Didier Drogba de la FIFA là. Est-ce que tu étais obligé de mettre ta bouille dedans? Moi, je veux que. C'est vrai, tu es ivoirien, tu dois donner ton point de vue. Mais la situation que toi tu es un artiste chanteur, mon frère. Tu es un artiste chanteur. Didier Drogba, c'est un footballeur. Même si c'est un monument, c'est une histoire de FIFA, de ballon. Ok. Tu peux donner ton point de vue, il n'y a pas de problème. Mais est-ce que tu es obligé de venir clasher Didier Drogba? Tu es obligé de venir clasher Daï Zoko? Tu es obligé de venir donner ton point de vue? Tu es obligé de faire la comparaison Yaya Touré, Didier Drogba? Tu es obligé de faire tout ça là en tant qu'un artiste chanteur de Bordeaux? Tu es obligé de faire tout ça là? Mais de Bordeaux, mais tu avais posé un acte, il n'y a même pas un mois de cela. Salué, je dis bien salué par 98%. 98% de tout le monde, tous ceux qui sont sur les réseaux sociaux, ils ont salué 98%. Quand tu es parti faire Yako au général Makoso, quand tu es parti donner tes offrandes au général Makoso, quand tu es parti faire hommage hein, à la mort de sa femme, mais tu as été salué à 98%. Même les Chinois, la Chine populaire de Didi Arafat, ils se sont ralliés. Ce jour-là, les Chinois se sont ralliés. La Benomania, ils se sont ralliés. Tous les morts de Coupé de Calais, ils se sont ralliés. Les humoristes, les comédiens, les politiciens, tout le monde s'est rallié. On était fiers, on était contents, très, très, très contents de ton acte. Jusqu'à nous t'avons baptisé, voilà le renouveau de Bordeaux Likoumfa. C'est ce de Bordeaux-là qu'on veut. Ça là, on appelle ça un buzz positif. Un buzz positif. Oui, un artiste qui coïncide avec un buzz positif, il a tout gagné dans la vie. Il a tout gagné dans le showbiz. Il a tout gagné. Ben, il suffit pas de faire buzz pour qu'on ait qu'à parler de toi. Non, il y a des buzz négatifs. Il y a des buzz qui vont clouer un artiste. Oui, les artistes, vous qui cherchez les buzz là. Quand c'est négatif, là, ça ne va pas quelque part. Ça vous cloue. On veut des buzz positifs. L'acte que tu as posé, l'acte que tu as posé avec le général Makoso, ça t'a donné point. Le même jour là, tous les mélomanes, ils ont téléchargé que des salles. Est-ce que je mens? Que des salles, tout le monde a téléchargé que des salles. Même les Chinois de Didier Arafat se sont ralliés. Tout le monde s'est rallié derrière toi. Aujourd'hui encore, tu viens faire vidéo encore, mais Didier Drogba, Yéris de Bordeaux, moi ma question là. Tu étais obligé de faire une vidéo sur Didier Drogba aussi. Ou même toi-même tu vois même, les Ivoiriens sont en train d'attaquer Serendi. Les Ivoiriens sont en train d'attaquer Zokora Maestro. Les Ivoiriens sont en train d'attaquer Kalou Bonaventure. Est-ce que ça valait la peine de venir faire vidéo toi aussi sur Didier Drogba? Ça vaut la peine quand on parle de football? Pourquoi nos artistes chanteurs là, vraiment, hein? Nos artistes chanteurs là, on ne sait pas si on doit les dire ça en chinois. Tous les buzz que vous faites là, est-ce que ça vous a déjà donné MTV Award? Non. Tous les clashs que vous faites là, est-ce que ça vous a déjà fait jouer à l'Olympia? Non. Tout ce que vous faites sortir là, hein, est-ce que ça vous a déjà donné Dix d'or? Non. À un moment donné là, arrêtez. À un moment donné, arrêtez. Clash, buzz, ça ne fait pas monter un artiste. Je dis, jusqu'à Jekpa sur le lendemain, ça ne fait pas monter un artiste. Ça ne peut pas. Parce qu'un artiste là, c'est le travail. C'est ta musique. C'est la promotion de ta musique qui t'envoie loin. C'est pas les buzz. C'est pas les clash. Non. C'est pas les buzz, c'est pas les clash. Petit. Et comment hier j'ai fait vidéo, les gens sont en train de t'insulter. Mais ça me fait mal. Moi je vois que le travail que j'essaie de faire pour toi là, c'est zéro. J'essaie de travailler
pour rien. Je travaille pour rien. Petit. Est-ce que tu es obligé de devenir béni faire bidon même contre Didier Drogba? Tu es obligé. Ça va changer quoi dans ta musique? Quand Didier Drogba il a va, qu'il n'a pas à va. Il y a un artiste chanteur qui vient parler d'un autre monument de musique. Il est, ça va même pas ensemble, petit. Ça va pas ensemble, c'est Bordeaux. Arrête ça un moment donné. Faut arrêter. Arrête ça un moment donné. Faut montrer que tu es un artiste chanteur. Tu es un chanteur, tu es là pour la musique. Tu n'es pas là pour les oh oh. Arrête ça. Ah, mon frère. Tu es dans quoi? Drogba Didier, Yaya Touré dans l'argent. Didier Drogba dans pas l'argent. Il est chiche, il est cher. Ça va changer quoi dans ta musique de Bordeaux? Ça va t'apporter quelle visibilité dans ta musique? Tu n'as pas besoin de ça. Tu n'as pas besoin de ça. Tu as fait ton buzz positif. Cette histoire de Makoso, quelle de ça est sortie? Malheureusement, coronavirus, ok, la vie continue. Tout ce que Dieu fait, bon, à nous aller. On frappe en bas. On attend de frapper en bas. Tout le monde a téléchargé des salles. Les gens dansent dans les salons matin, midi, soir. On est dedans. Hein? On est dedans. C'est même pas encore fini. Je vais faire vidéo de classe. Ça va changer quoi? Pourquoi les artistes de Côte d'Ivoire, là, vraiment, tu peux même pas parier sur eux-mêmes.